Aussi bien vous y préparez, presque tout augmentera en 2024. Se prépare pour 2024, c'est une année de ralentissement, de stagnation, en fait. Donc, il pourrait y avoir récession. L'année 2024 va être essentiellement marquée par une très faible croissance économique. Bien que l'inflation et l'économie ralentissent, la Banque du Canada ne signale pas qu'elle sera bientôt prête à abaisser le taux directeur. Et ce sont vos finances personnelles qui risquent d'en subir les coûts. Ça va être encore plus difficile. C'est sûr que la baisse de taux d'intérêt va donner un coup de main. Mais là, le problème que je me rends compte, c'est plus le manque de liquidité. Tu sais, le coût de vie, malgré que c'est stabilisé, il continue à augmenter. Donc, ça vient enlever un peu de notre pouvoir d'achat. Même avec beaucoup de volonté, vos dépenses ont toutes les chances de poursuivre leur croissance. Quand on regarde où est-ce qu'on se situe présentement, les taux d'intérêt ont monté de façon exponentielle au courant des 24 derniers mois. Donc, ça fait en sorte que les produits d'épargne sont maintenant intéressants. Par contre, c'est clair que lorsqu'on regarde ce qui s'en vient en 2024, on parle d'une quasi-certitude de récession, on parle d'un ralentissement économique. Je vous dirais, nous, on adopte une approche plutôt prudente d'un point de vue des investissements. Même son de cloche pour les frais d'hydroélectricité qui augmenteront possiblement de 3 % les pensions alimentaires désormais indexées à 4,4 % et le coût des logements qui continuera de grimper. Tout le volet du prix d'achat va être encore compliqué. On voit encore des hausses des condos dans le Grand Montréal, des maisons, en fait, un peu pas juste dans le Grand Montréal, un peu partout au Québec, il y a une hausse encore des prix qui est soutenue. Donc, l'accès à la propriété, ce ne sera pas facile. L'alimentation continuera également d'être frappée de plein fouet par l'inflation, mais somme toute, ce sera une meilleure année que 2023 dans ce secteur. On s'attend à des guerres de prix. À la mi-année, là, environ, là, donc juillet, août, septembre, là, on s'attend à ce que les épiciers, les bannières travaillent très fort pour fidéliser leur clientèle parce que depuis 2 ans, on est à la recherche d'aubaines, advienne que pourra. Le mot d'ordre pour 2024, planifier ses dépenses pour être en mesure d'atteindre ses objectifs financiers. Sam Sarah-Rainville, TVA Nouvelles, Montréal.